sommaire cette semaine, le CES de Las Vegas. Gros plan sur les tendances de cette édition 2018 du plus grand salon mondial dédié à l'électronique. Retour également sur les nouveautés du côté des accessoires pour Mac, mais aussi les objets connectés compatibles HomeKit qui ont enfin la cote. Sans oublier la présence en force de la French Tech. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous rappelle que vous retrouvez On refait le Mac, l'émission high-tech chaque semaine sur notre site www.onrefaitlemac.com. Sur nos chaînes Dailymotion et YouTube, je vous invite à vous abonner et à cliquer très important sur le petit pouce. Vous nous trouvez également une version HD, une version audio sur iTunes et bien sûr via l'application podcast. Et enfin, vous nous retrouvez sur l'application iOS pour iPhone, iPad et Apple TV pour regarder On fait le Mac sur l'écran du salon. Avec comme chroniqueur cette semaine en plateau, celui qui a eu tous les iPhones depuis son lancement, notre consultant digital, ou plutôt numérique, car nos doigts vont bien, Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour bonne année Stéphane. Bonne année. C'est un plaisir de se voir en chair en os. Oui, ça me fait plaisir de revenir un petit peu ici. Voilà. En duplex, celui qui est du côté de Las Vegas depuis le CES, Cédric Ingrand de LCI. Bonjour Cédric. Salut Olivier, c'est merveilleux les connexions Internet ici. Enfin, j'aime ce pays. On n'a pas du tout galéré. Ils sont forts les Américains, ils sont forts en plein de trucs, sauf en connexion Internet. Mais on va retrouver Cédric dans un instant. Autre témoin privilégié de cette édition 2018, il s'agit de Grégoire Martinez d'Europe 1. Bonjour Grégoire. Bonjour Olivier, salut à tous. Bah, effectivement, les connexions Internet ici, c'est quand même pas terrible. Ça coûte 15$ la journée et ça marche que moyennement. Donc voilà. Voilà, mais vous êtes dans le temple de la tech. C'est la ville du CES, c'est ça. Vous êtes dans le temple de la tech et vous subissez les affres de la fracture numérique. C'est un beau paradoxe. Et enfin, celui qui n'a pas de problème de connexion parce qu'il n'y a pas de fracture numérique à Lausanne, pour lui, le Mac, c'est pour toujours. Il s'agit bien sûr de Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, tu vas bien? Tu sais que je t'appelle depuis l'iMac Pro? Ah bah dis donc, tu as gagné au loto? Non, pas, malheureusement. Bon, on attend que Apple nous envoie un exemplaire de test pour vous consacrer une émission de grand test avec Didier d'ailleurs. Et on essaiera ensemble de le tester sur toutes les coutures. À présent, un clin d'œil à notre parrain Crucial qui vient de lancer un nouveau SSD, le Crucial MX500. Il se décline en trois capacités, 250 Go, 1 et 2 Tera. Avancez de ce modèle idéal pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et de vos PC performance. Le disque SSD MX500 profite de la toute dernière technologie de mémoire flash NAND 3D qui affiche une vitesse de 560 mégaoctets par seconde en lecture et 210 mégaoctets par seconde en écriture. C'est également le premier SSD Crucial à avoir la garantie de 5 ans contre 3 ans pour les précédents modèles. Son prix, elle est comptée à partir de 80€ pour les modèles 250 Go. Merci à Crucial de nous soutenir. Messieurs, place au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, et c'est Didier qui s'en occupe cette semaine, justement. Didier. Et oui, Olivier, alors on ne peut pas passer à côté hein, du battery gate là, de cette histoire d'iPhone ralenti. Et puis d'ailleurs, tiens, j'en profite juste à l'heure où on enregistre, là, Apple vient de réautoriser d'installer les vieilles versions d'iOS 10. Donc, est-ce qu'il prépare un truc? Ah, c'est énorme, hein, c'est historique. On va voir. Ça. Voilà. Donc c'est bien. Je pense qu'il prépare quelque chose quand même. Didier, si Stéphane en était moi, parce que tu as fait l'émission avec nous d'Australie il y a 15 jours, c'était bien. Depuis la plage de Kwamana Island, on a toutes les demandes qu'on avait émises lors de cette émission ont été suivies par Apple. Oui. Sauf la conférence de Tim Cook et qu'il arrête de faire le chef de l'État et qu'il arrête de faire des tweets sur
sur les tempêtes tropicales et qu'il explique pourquoi ils ont ralenti les iPhones. Mais bref, ça viendra cette keynote, j'en suis sûr. Je te laisse la parole, Didier. Oui, donc le chiffre de la semaine, c'est 10 milliards et c'est une estimation qu'on retrouve chez plusieurs cabinets d'analystes, notamment Amalgam Insight, ouais. Qui chiffre donc entre 5 et 10 milliards à peu près le préjudice du BatteryGate, sachant qu'il y a quand même pas mal effectivement de procédures en cours, hein, même en France cette semaine. Là, on a vu que le parquet a ouvert une enquête. Donc voilà, ça pourrait coûter très très cher à Apple. Et à mon avis, ce qui pourrait lui coûter le plus cher, c'est plus l'image derrière, effectivement, hein, qu'Apple avoue ralentir ses téléphones, c'est quand même assez terrible. Ouais. Enfin, pour moi, il y a quand même le feu à Cupertino aujourd'hui, hein, c'est un des plus gros scandales quand même de l'histoire récente d'Apple. Hein. On y reviendra, on va essayer de consacrer à nouveau une émission à ce BatteryGate et à la politique de communication d'Apple qui me semble un petit peu déconnectée des réalités, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais peut-être une brève réaction de Cédric, tu n'étais pas avec nous la semaine dernière, il y a 15 jours en Australie. Quel est ton regard? Y a-t-il une obsolescence programmée? Assez rapidement, je sais que c'est difficile de résumer ça en 2 minutes, mais quand même, par rapport à cela, sachant que les 5 à 10 milliards, c'est une estimation concernant, qui ne comprend pas, tu l'as dit Didier, les dommages et intérêts. C'est le manque à gagner en termes de vente. Et c'est vrai qu'en termes d'image, dans mon entourage, il n'y a pas une seule personne en disant Apple, quand même là, ils ont vraiment déconné. Hein. Quand tu parles de dommages et intérêts, il faut d'abord que tu arrives à estimer un dommage. C'est-à-dire, ou du moins, le coût de remplacement de la batterie des 5 à 10 milliards, c'est surtout les ventes en moins d'iPhone qui vont découler. C'est autre chose. Mais je ne sais pas quoi penser de cette histoire, sinon que je comprends les raisons techniques pour lesquelles ils l'ont faite et je comprends les raisons culturelles pour lesquelles ils n'ont pas communiqué dessus. Oui, la culture du secret, ça on le connaît bien chez Apple. Logique. Techniquement, ils ont bien fait les choses et en communication, ils n'ont pas communiqué. Ou alors, c'était trop compliqué, donc ils ont préféré pas en parler. Enfin bref, c'est pour ça qu'on s'en retrouve là. Honnêtement, moi, je trouve, ça m'empêche pas de dormir, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir tous des iPhones récents, donc on n'a pas, soucis des anciens. Est-ce que tu estimes que l'impact de cette histoire est plus grave que ce qu'a connu Samsung l'année dernière ? Avec les explosions de ces iPhones, dans l'opinion publique. Je ne sais pas, pour moi, c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Oui. Parce que, on s'attaque, mais c'est d'un côté, la fiabilité d'un matériel, d'une génération d'un matériel. Qui a été révolu, et de l'autre côté, un choix délibéré de l'entreprise. Ce n'est pas un oubli, tu vois. Ce n'est pas, ah oui, c'est vrai, on a oublié de vous dire. Non, ils ont fait le choix de ne pas en parler. Pour ça, parce qu'évidemment, comment dire ? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose sur lequel tu peux communiquer simplement. Tu peux pas dire, ah oui, en fait, on a fait un truc, on a un peu ralenti le système, mais vous inquiétez pas, il y a de bonnes raisons. Non, parce qu'une fois que tu fais ça, tu as ouvert la valise de Pandore, et évidemment, les gens ont 1000 questions sur quoi, comment, pourquoi, et le mien, et pourquoi moi, et comment je peux le savoir, enfin, etc. Donc, je pense que c'est pour s'éviter ça qu'ils n'ont pas communiqué. Mais on le dit souvent, Apple sait ce qui est bien pour toi. Bah oui, mais il y a des fois, c'est bien de le dire aussi. Voilà, et peut-être qu'il est peut-être temps qu'Apple change son modèle de communication. On en reviendra dans une mission. Pas forcément, mais disons que c'est pas. Non, ils vont pas changer le modèle de communication. Tu t'apprends pas, de nouvelles grimaces à un vieux singe, tu vois. Mais en revanche, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'ils se posent ponctuellement les bonnes questions, comme d'accord. Là, par exemple. Bien. Allez, on passe directement aux tendances du CES. Cap sur la voiture autonome. C'était la grande tendance dès qu'on est arrivé à Vegas cette année, hein, Grégoire. On entend beaucoup parler de voitures autonomes, mais surtout on peut essayer des voitures. Il y a plusieurs constructeurs qui le proposent. Le français Navia, notamment, qui teste des taxis et des navettes autonomes ici à Las Vegas. Et puis Lyft, le service de VTC, hein, qui est un peu comme Uber ici aux États-Unis, qui a mis en place 8 BMW série 5 qui se baladent dans tout Las Vegas sur route réelle au milieu de la circulation et qui peuvent transporter les passagers depuis le Convention Center où a lieu le salon jusqu'à leurs hôtels, par exemple. Donc c'est totalement autonome. Il y a quand même un chauffeur présent, hein, c'est ça, mais il ne touche pas le volant. Alors, tout à fait, parce qu'en fait, la loi américaine oblige les gens qui testent des voitures autonomes à ce qu'il y ait au moins un ingénieur ou un conducteur de secours présent dans la voiture pour reprendre la main en cas de problème. Au-delà de cet engouement autour de la voiture autonome, tous les constructeurs, quasiment, pas tous les constructeurs, beaucoup de constructeurs mondiaux d'importance étaient présents, Cédric, cette année. Ils sont présents ici, mais sur cet angle très précis, sinon de la voiture autonome, au moins de la voiture connectée, enfin en gros du futur de l'automobile. C'est pour ça que Nissan est là, que Ford est là, Mercedes, Hyundai, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais ce grand hall nord du Convention Center qui est
toujours été dédié à l'automobile, mais il y a quelques années, c'était juste un truc où tu allais chercher, tu vois, un subwoofer pour ton pick-up truck ou un GPS, par exemple. Et même les gens qui font du GPS, maintenant, vraiment réfléchissent très profondément sur qu'est-ce que tout ça va devenir. Taxi de Navia, il n'y a pas de chauffeur, il y a juste deux rangs qui se font face de trois places. Mais par contre, il y a un grand écran sur le côté, quelque chose qu'ils ont développé avec Ingenico, et qui, par exemple, tu es dans Paris et ça va te donner des informations sur les monuments que tu es en train de passer. Ça connaît ta destination, donc ça va dire « Ah, vous allez dans le marais qui est ici, plus d'informations sur le marais ». Allez donc voir la place des Vosges, etc. D'accord. Ah, vous allez là, mais vous savez, vous pouvez déjà commander votre Starbucks pour quand vous arrivez ou acheter des billets pour, etc., etc. Il n'y a pas une réflexion, des présentations autour uniquement de la voiture autonome, si on comprend bien, Cédric. Hein. C'est aussi sur les systèmes embarqués, sur la navigation, sur les moyens de... C'est l'automobile à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a même des choses sur de l'audio pour les bateaux. Mais là, l'essentiel de l'innovation, elle est vraiment centrée autour d'une redéfinition de ce qu'est l'automobile, les interfaces, même comment tu conçois une automobile à l'intérieur, l'ergonomie à partir du moment où elle perd ou pas son volant. Bref, c'est vraiment intéressant. T'as un stand Nvidia au milieu, parce qu'évidemment, Nvidia fait maintenant des puces et même des systèmes qui sont dédiés justement pour la navigation autonome. Non, il se passe là pour le coup plein de trucs, alors qu'avant, vraiment, ouais, c'était le hall où t'allais et ça faisait boum, 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 boum. C'est vrai qu'on voit, on voit bien hein, chez les constructeurs de puces. Cédric, tu parlais d'NVIDIA, chez Intel aussi, tous ces fournisseurs qui fournissent à la fois des capteurs pour les voitures autonomes, qui travaillent sur les télécoms et la 5G, qui vont aussi travailler sur l'intelligence artificielle et la data qui seront utilisées par ces voitures. Enfin, voilà, il y a tous ces constructeurs de composants qui viennent, qui annoncent des partenariats avec les grands constructeurs traditionnels. Alors brièvement, les marques, tu les citais Cédric, on a vu des annonces d'Honda, de Mercedes, on a vu des annonces de Ford, de Toyota, avec des plateformes effectivement à la fois autour de la voiture autonome et des systèmes embarqués, ou encore Nissan, tu l'as dit. Il y a une annonce concernant Mercedes qui nous concerne un peu plus. Dernièrement, Stéphane. Il y a des nouveaux modèles qui sont en train de se créer, ça c'est certain. Renault avait acheté Marcel, la plateforme de VTC qui marchait moyennement. Oui, parce que le VTC est un support privilégié pour les voitures autonomes demain. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il s'intéresse à ça. Et là, chauffeur privé, donc le numéro 2 en France, derrière Uber, s'est fait racheter par Daimler, donc la maison mère de Mercedes. On rentre, comme disaient Cédric et Grégoire, on rentre dans d'autres choses, modèles économiques. Parce qu'aujourd'hui, à date, que ce soit Lyft ou Uber, par course, ils perdent 1,20 $. Ils gagnent pas d'argent. Donc aujourd'hui, s'ils ont moyen de s'affranchir des frais de reversement aux chauffeurs, ils le feront avec la voiture autonome. Et ça explique aussi l'accord qu'il y a eu avec Challenge de Renault, qui a pris 40%. Challenge au mois de décembre. Parce qu'il y a quelque chose d'ailleurs qui était très drôle, qu'il y avait un journaliste de The Verge, là, le site américain, qui suit le CES. Il est rentré dans une voiture autonome, il est passé donc de l'aéroport à son hôtel, 30 minutes ou un peu moins, et il a dit sa première réaction en sortant de la voiture. Il dit « Je me suis ennuyé ». Donc, on a besoin de contenu. On a besoin de contenu. On a besoin de contenu. Regardez, on refait le Mac dans sa voiture, c'est bien. Voilà, exactement, exactement. Et c'est ça qui va être bien. Et donc, on change. Et juste dernière chose. Ouais. Le CES, il y a beaucoup de marques de voitures, mais je suis sûr que le mondial de l'auto va devenir le mondial de la connexion et Apple aura un stand. On va voir. Ils n'ont pas fait depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Tu parlais d'Apple. En attendant CarPlay se développe à vitesse grand V, on sait que c'est aussi un enjeu important pour Apple, en attendant notamment la fameuse voiture autonome d'Apple, le projet Titan, qui est encore dans les labos secrets d'Apple. Il y a eu quelques annonces concrètes autour de CarPlay, notamment des autoradios, tout simplement, Didier. Oui, alors en fait, CarPlay, il y a deux problèmes. Le problème, c'est ceux qui ne l'ont pas. Non mais je pense qu'effectivement il y a un gros marché hein, pour ceux qui n'ont pas CarPlay, et c'est là-dedans que se met notamment Alpine, qui propose un système en fait que tu peux mettre sur n'importe quelle voiture quasiment, du moment que tu as un système multimédia. Aujourd'hui tu as quand même des possibilités de le changer, et eux ils ont trouvé même une astuce assez intéressante, c'est que l'écran sort un peu du pare-brise, donc tu es plus limité par ton petit espace que tu avais d'ailleurs sur les vieilles voitures. Veux vraiment le mettre dans l'emplacement d'un autoradio tout à fait classique d'une vieille bagnole. Oui, moi j'ai déjà vu des véhicules comme ça qu'on fait de l'aftermarket, on appelle ça, donc
donc qu'on rajoute après coup. Par contre, c'est assez coûteux en général, hein, juste pour avoir CarPlay. C'est vrai que t'hésites quand même, vu le prix, c'est souvent 1 000 000 d'euros. Donc, faut vraiment vouloir garder sa vieille bagnole. Mais bon, voilà, ça peut quand même contenter certains. Il y en a qui sortent aussi. Donc là, on a vu un Français qui a sorti une application qui s'appelle ouais. CarOS, qui est une espèce de, bah, comme si Apple mettait CarPlay sur l'iPhone ou sur l'iPad. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'ils ne le fassent pas. Hein. Voilà, oui. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas CarPlay, on utilise son iPhone comme écran. Exactement, mais alors du coup, bon, forcément, une application, c'est plus limité, hein. Ils peuvent pas aller aussi loin qu'Apple et puis proposer des applications optimisées. Mmh. Donc moi, j'ai pas testé, mais c'est vrai que voilà, l'interface avait l'air encore un petit peu. Enfin, ils sont obligés de faire des partenariats. Tu vois, t'as Google Maps, mais c'est pas vraiment Google Maps avec les indications routières, etc. Mais ça peut être une alternative en attendant de changer de voiture. Et puis moi, je dirais que le deuxième problème de CarPlay, bon, outre le fait qu'il y a des constructeurs qui le mettent pas encore dans leur véhicule, hein, mais c'est que effectivement, il évolue pas, et notamment CarPlay Wi-Fi, on sait pas où il est. Il y en a que sur des BMW. Il faut de nouvelles applications, notamment Waze. Exactement, Waze. Enfin, Apple ouvre pas du tout l'aspect cartographie aux éditeurs tiers. Il y a énormément de choses qui manquent. Ça bouge pas là depuis 3-4 ans. C'est quand même assez mort. Donc c'est dommage parce que toutes les voitures se mettent à l'avoir. Donc maintenant, il faudrait vraiment que Apple se bouge. Allez, dernier point pour conclure ce chapitre autour de la voiture autonome et de la voiture connectée en général. On y reviendra dans une émission. On vous prépare une émission spéciale sur la voiture connectée dans quelques semaines. En parallèle, les assistants vocaux type Alexa d'Amazon, autre tendance forte de ce salon depuis déjà l'année dernière, débarquent en force dans les voitures, avec notamment une annonce de Toyota qui va intégrer Alexa à certains de ses modèles, notamment des Lexus. L'an passé, c'était déjà BMW, Nissan et Ford qui avaient déjà réalisé la même annonce. Google Assistant n'était pas en reste, qui devrait être intégré à Android Auto assez rapidement. Côté constructeur, je crois que c'est Kia, hein, qui a annoncé, le constructeur sud-coréen, à intégrer donc, cette année Google Assistant à certains de ses modèles. Donc c'est vraiment la guerre, Cédric Grégoire, pour conclure rapidement sur ce sujet entre Google et Apple pour occuper le tableau de bord de toutes les voitures. C'est dur, les grands bah, oui, et puis on ne peut pas exclure qu'un troisième arrive en embuscade. On peut imaginer un Amazon. Hein. Oui, Amazon, bah, on l'a vu avec Google Assistant. Voilà, hein. C'est ce que je dis. Si tu mets Alexa dans la voiture, tout à coup, regarde, c'est merveilleux. Donc, il va se passer des choses. Mais je pense que les constructeurs ne vont pas choisir une équipe. Ils vont tous faire double allégeance parce que tu ne peux pas choisir dans tes clients. On avait déjà eu cette discussion. Tu ne vas pas choisir ta voiture selon que tu aies un Android ou un iPhone en poche. Monsieur X a choisi sa voiture parce qu'elle était CarPlay. Je te jure que c'est vrai. Mais je sais, mais moi aussi. J'ai acheté un modèle de voiture, c'était la meilleure voiture pour l'iPhone. Je te jure que c'est vrai. J'ai choisi l'année modèle de ma voiture parce qu'il y avait CarPlay dedans. Alors après, il ne marche toujours pas, mais ça, c'est un autre problème. C'est une honte. Non, mais une honte, un truc. Enfin bref, je raconterai ça un jour. Mais voilà, tu ne vas pas changer de voiture parce que tu as changé de téléphone. Donc de toute façon, la bataille, elle va pas. Ça va reporter à peu près exactement les parts de marché qu'on connaît dans la téléphonie et qui sont différentes pays par pays. Mais je connais peu de constructeurs qui vont dire je ne fais que. Alors peut-être sur les trucs très haut de gamme, peut-être que les gens vont dire moi je fais que iPhone. Mais non. Et pour la petite histoire, c'est dommage. Hein, CarPlay marche pas dans ma voiture, mais Android Auto, ouais, il marche. Bah, on sait d'où ton cœur balance. En tout cas, c'est important. Allez, des autres tendances pour ce prochain chapitre de CES sont bien sûr les objets connectés et particulièrement HomeKit. Les objets connectés, c'est un grand classique. Il y en a partout au CES de Las Vegas. Cette année, bonne surprise apparemment du côté d'HomeKit. Le système, le standard des objets connectés d'Apple est enfin sur orbite, Didier. Bah oui, et après la traversée du désert des premières années, il n'y avait vraiment rien. Hein. Ouais. Moi, je me rappelle, ils avaient annoncé ça pendant 2 ans, on cherchait les produits. Et là, alors l'exemple le plus typique, c'est le français Somfy, au Savoyard d'ailleurs, je crois, ouais. Et qui avait refusé, enfin il y a quelques mois, ils se sont dit oh, « non, HomeKit, c'est encore pas assez développé, tout ça ouais, ». Mais c'est cher. Avec l'arrivée du HomePod, là, bientôt, on voit qu'il y a une vraie tendance. Et puis, curiosité, en tout cas. Oui, puis tout le monde commence à s'équiper avec les Philips Hue, avec tout un tas de choses comme ça. Et effectivement, HomeKit, ça devient quand même assez intéressant pour les constructeurs d'avoir ça. Donc là, il y a tout un tas de constructeurs qui ont annoncé. Donc il y a Belkin avec son pont Wemo. Il y a donc Somfy, on en parlait tout à l'heure, qui va effectivement être compatible. On a aussi des détecteurs de fumée. On a toute la gamme Elgato là, pour ouais. Les capteurs de qualité de l'air. Et puis, un mot sur l'XF. Le système de détecteur de fumée, c'est assez original. Il y a une enceinte intégrée AirPlay 2, donc en clair, c'est un détecteur de fumée, mais il sert aussi de speaker intégré au plafond
pour écouter sa musique, c'est plutôt une bonne idée avec AirPlay 2. On verra, hein, pour AirPlay 2 n'est toujours pas arrivé. Excuse-moi, je t'ai coupé. Exactement. Moi, je voulais juste finir avec ces petits boutons. Alors, il y en a chez Elgato, il y en a aussi chez Fibaro. Là. Ouais. Et en fait, c'est des boutons qui. Alors, c'est marrant parce qu'on a fait HomeKit pour enlever les boutons. Tu vois, et puis, on remet des boutons partout. Voilà, mais en fait, c'est pratique parce que ça permet de faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, je sais pas, tu arrives dans ta salle de bain, tu appuies sur le bouton, alors ça allume la lumière, ça te met l'eau chaude, ça te charge ta brosse à dents, enfin, j'en sais rien. Ouais. Et du coup, c'est vrai que voilà, c'est des petites choses peut-être qu'on pourrait retrouver bientôt dans nos maisons. Mais c'est, enfin, ça va commencer à devenir complexe tout ça si effectivement il faut des boutons, des scènes, des configurations, du partage d'informations entre tous les utilisateurs. Mais voilà, il faut le temps que ça se mette en place, il faut que la compatibilité arrive. Et je trouve que là, bah, pour l'instant, Apple est sur la bonne pente, hein, clairement. Ouais. Une petite réaction du côté de Vegas, nos deux chroniqueurs, Cédric et Grégoire. Avec Grégoire, parce que tout à l'heure tu n'as pas pu parler, les objets connectés sont partout à Vegas. HomeKit a senti un engouement comme on a pu nous le sentir de par le nombre d'annonces ici de Paris. Bah, les objets connectés, c'est sûr, il y en a partout, hein, particulièrement chez les Français de la French Tech qui, pour la plupart, viennent avec des objets connectés. On en reviendra sur la French Tech tout à l'heure. Ouais, exactement. Après, sur HomeKit, effectivement, on voit de plus en plus de produits qui sont compatibles. Et ce n'est pas anodin si ça arrive maintenant. On le disait un peu, c'est l'arrivée de HomePod qui est prévue là pour le printemps et le reste de l'année en fonction des pays, qui fait qu'avec cet assistant intelligent, les constructeurs ont de plus en plus envie de rendre leurs produits compatibles pour que demain vous puissiez commander votre ampoule ou votre objet connecté pour la maison directement à la voix via HomePod. Ouais. Cédric, en matière d'objets connectés, il y a des choses qui t'ont un peu étonné. Nous, on a remarqué des objets assez originaux. On a vu le Sleep de Nokia, le tracker de sommeil. Ou Nokia, en fait, c'est l'ancienne... Bah, qui existait déjà. Hein. Ouais, mais celui-là, il marche. oui, c'est ça. Voilà. On a vu même des douches, c'était marrant. Regardez, des douches compatibles Siri de la marque Moen. J'espère que je prononce bien. Yuba Moen, qui intègre à la fois Siri et Alexa pour changer la température de l'eau à la voix et réaliser un préchauffage indispensable. Jusqu'à la brosse à dents connectée Magic à la réalité augmentée de Colibri, autre marque française, et qui donc permet aux enfants de se familiariser avec la brosse à dents et le temps de brossage. Justement, parfois, on va un peu jusqu'au ridicule. Là, tu parlais d'une douche. Il y en a une autre qui est développée par un Français dont j'ai oublié le nom. On peut, en gros, avec Alexa, couper l'eau de la douche. Ça veut dire que si quelqu'un est dans la salle de bain et que moi, je suis dans le salon et que je dis « Alexa, coupe l'eau », je peux couper l'eau qui est dans la douche. On met l'eau froide et vraiment glacée. Ça peut faire des blagues assez rigolotes. Ouais. Ouais. Exactement. Quelle est vraiment l'utilité de ça, je ne sais pas. Qu'en est-il, messieurs, de l'Apple Watch, qui est aussi un objet connecté important? On l'a vu avec les annonces notamment de Whirlpool, qui a annoncé soutenir pour ses produits électroménagers la montre d'Apple pour pouvoir les piloter à distance. Est-ce que vous avez vu un engouement autour de l'Apple Watch? On sait que les ventes vont crescendo, mais ça ne reste pas encore un raz-de-marée. Est-ce qu'il y a un vrai écosystème qui est en train de se monter et des personnes qui présentaient des accessoires tout azimut à Las Vegas, Grégoire? Alors, sur l'Apple Watch, effectivement, il y a cette annonce de Whirlpool. On va pouvoir commander certains de ces produits électroménagers de la maison directement depuis sa montre connectée. Après, plus que l'Apple Watch en elle-même, pour moi, la vraie tendance, c'est quand même la recharge sans fil. Il y a plein d'accessoiristes, et notamment Belkin, qui ont profité du salon pour annoncer des chargeurs pour la maison, pour les professionnels, notamment les hôtels, pour aussi la voiture, qui vont vous permettre de recharger votre iPhone sans fil. Et alors, on le disait, hein, moi, j'en ai parlé un peu avec des collègues ici à Las Vegas, c'est que en gros c'est merci Apple, c'est-à-dire que la recharge sans fil, ça existe quand même depuis des années sur les Galaxy S, sur les téléphones haut de gamme de LG, mais avec l'arrivée de la recharge sans fil sur l'iPhone 8 et sur l'iPhone 10, c'est la première fois qu'il y a autant de chargeurs de ce type-là qui se vendent chez les accessoiristes, qui sont évidemment très contents de tout ça. Et on voit encore une fois qu'Apple est un formidable canal évangélisateur, un incitateur sur les nouvelles technologies. Il n'est pas forcément le premier à les adopter, mais en tout cas il arrive à convaincre l'utilisateur de les adopter derrière en masse. C'est un bon exemple effectivement avec les chargements sans fil. J'ai un message de Cédric qui me dit: bon ben c'est officiel, j'ai même plus de wifi, excuse-moi auprès des autres, je vais me coucher. Bon voilà, donc la fracture numérique il est très tard hein, à Las Vegas, il est minuit passé avec le décalage. Oui, il est minuit 47. Voilà, donc ils sont très courageux de vous participer. Avez la Tour Eiffel derrière moi, il fait nuit. Mais c'est là pas la vraie, celle-là. Et donc Cédric, tu fais des bises pour nous et on le retrouvera dans un prochain numéro dont on fait le Mac. Un clin d'œil à notre parrain Crucial qui vient de lancer un nouveau SSD, le Crucial MX500. Il se décline en trois capacités, 250 Go, 1 Tera
et 2 Tera. Avancez de ce modèle idéal pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et doper ses performances. Le disque SSD MX500 profite de la toute dernière technologie de mémoire flash NAND 3D qui affiche une vitesse, écoutez bien, de 560 mégaoctets par seconde en lecture et 210 mégaoctets par seconde en écriture. En clair, si vous l'intégrez dans votre vieux Mac, il sera transformé. C'est également le premier SSD crucial à avoir la garantie de 5 ans contre 3 ans auparavant. Enfin, son prix comptait à peu près 80€ pour le modèle de 150Go. Merci à Crucial de nous soutenir. Place maintenant à une autre tendance forte qui nous concerne, nous, les nouveaux accessoires autour de l'informatique, notamment du Mac. Les nouveaux accessoires pour Mac, notamment, énormément d'accessoires USB-C, Thunderbolt 3, énormément. C'est vraiment une tendance forte aujourd'hui, Didier. Beaucoup d'annonces, on a reçu, on a été inondés de communiqués de presse cette semaine. Hein. Oui, oui, puis enfin, tu vois, maintenant que ça arrive dans les iMac, dans les MacBook Pro, c'est vrai que c'est des connectiques qui commencent à être de plus en plus populaires. Là, on a vu toujours un peu la même chose, hein, c'est-à-dire on a des disques durs, là, notamment chez Lassie, ils ont sorti donc un disque qui est complètement autonome, en fait. Moi, tu vois, je fais du drone là depuis quelques temps avec le Mavic Pro, et c'est vrai que tu as souvent besoin de décharger ta carte. Donc, c'est assez pratique d'avoir un disque en fait, que tu n'as pas besoin de connecter à ton Mac, qui te décharge ta carte, qui te la vide, et puis tu peux la remettre dans ton drone. Donc, ils ont sorti ce petit boîtier de 2 Tera, donc tu peux quand même en mettre, hein, même si tu filmes en 4K et tout, y a quand même de la place. Il y a une batterie intégrée, donc pour le faire fonctionner, qui soit totalement autonome. Hein. Exactement. Et ça, c'est 100 mAh la batterie, hein, donc c'est pas mal. Ça, c'est plutôt cool. Alors, effectivement, c'est quand même des produits qui sont chers, mais je trouve que c'est des usages qui commencent à être assez intéressants. 449€ disponibles au printemps. Donc, ça, c'était du côté de la scie. Autre annonce disque dur, je crois, Didier? Oui, chez Western Digital. Donc, c'est un peu le même genre. C'est un disque dur donc, qui est sans fil et puis qui a un petit lecteur SD intégré, une batterie intégrée, qui est anti-choc. Enfin, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les transporter avec toi. Donc, des disques qui sont totalement autonomes et qui peuvent aussi se connecter donc, à ton téléphone via des applications, toujours. Hein. Apple les charge pas nativement. Alors, ce qui est différent, c'est que quand tu dis sans fil, c'est qu'ils sont autonomes. Celui-ci, le WD, il est Wi-Fi. Hein. Ce n'était pas le cas du Lassie, je crois. Hein. Oui, le Lassie, il faut brancher. Mais ce qui est intéressant avec le je trouve original, on verra, on l'a pas encore testé ce modèle-là de WD. Si vous avez l'habitude de filmer avec votre iPhone, avec Filmic Pro, hein, l'excellente application pour tourner vos vidéos et vraiment magnifier vos vidéos, eh bien Filmic Pro gère directement le disque dur pour stocker en Wi-Fi directement sur le disque dur vos vidéos et non pas charger la mémoire de votre iPhone. C'est plutôt bien vu. Ça vaut 350€. Autre accessoire que tiens, j'ai trouvé d'ailleurs sur ton site. Housse, bah oui, hein, c'est une bonne source d'information, MacForever. Mais tout à fait. Une housse batterie D-Case. Oui, une housse qui contient une batterie. Alors ça, on peut le faire depuis qu'il y a de l'USB-C, effectivement, sur les MacBooks, et c'est assez pratique. Par contre, ça te fait quand même du poids en plus, donc tu vois. Ouais. Si tu achètes un MacBook pour l'avoir léger et puis que tu as une grosse batterie de 2 kg dans ta poche, où est l'intérêt vraiment? Autant prendre un ordinateur un petit peu plus lourd. Mais voilà, le fait de combiner ça, c'est pas totalement idiot, d'autant que c'est assez. Ça se voit pas, tu vois. Quand tu as une batterie, il faut la mettre dans un sac et tout. Là, l'intérêt, c'est que tu as tout au même endroit. Quoi. Autre tendance, Didier, pas mal de. Toujours autour de l'USB-C, mais là, c'est plus du stockage, mais autour des docks. On sait que les Macs sont plutôt chiches côté nombre de connecteurs. Là, c'est vraiment le tendance de voir des docks USB-C et Thunderbolt 3 sortir à tour de bras. Hein. Oui, bon, moi j'en ai testé beaucoup cette année. C'était plutôt 2017 en fait, l'année des docks Thunderbolt 3. Là, je dirais que on continue à avoir des annonces. Il y a Kingston qui se met à faire des petits docks USB-C un petit peu classiques. Enfin, le petit dock comme le Ubuntu, tu sais que t'emmènes partout, qui a de l'USB classique. Avec un HDMI, un port SD, choses comme ça. Voilà. Le truc que Apple devrait mettre quand même sur ses ordi. Et possibilité de faire une alimentation d'alimenter aussi le si tu branches l'alimentation sur ton dock, ça te fait plus qu'un port à brancher. Bon, souvent c'est limité à 60W, donc sur les gros MacBook Pro c'est pas forcément terrible parce qu'il faut plutôt plus de 80W, mais voilà, bon, effectivement il y en a énormément sur le marché de ces docks, ils sont pas trop chers, ça, c'est assez agréable. Et puis il y a Elgato donc, qui a sorti un mini dock Thunderbolt 3. Alors lui, il alimente pas ton Mac, contrairement à tous les docks là, moi, que j'ai testé, mais l'avantage c'est qu'il est tout petit et que tu as du débit, c'est-à-dire par l'USB-C, tu sais, c'est limité en débit, tu es autour de 5-10 gigabits, ça dépend un petit peu des modèles, alors que le Thunderbolt c'est 40 gigabits, donc tu peux avoir de l'USB 3.1 par exemple, tu peux avoir du HDMI avec des résolutions 4K et tout mettre en même temps. Donc ça, c'est pratique d'avoir des docks Thunderbolt de poche. Le seul problème, c'est que souvent, bon là, je crois pas qu'on a le prix, mais en général ça coûte quand même plus cher, hein, parce qu'il y a des petites royalties à payer à Intel. C'est le seul problème de ça, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien aussi des clés USB Thunderbolt, des disques durs Thunderbolt qui soient hyper rapides. Mais pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup quand même. Alors, par contre, un engouement qu'on attendait beaucoup, c'est voir arriver différents modèles de moniteurs externes. Hein. Il n'y a plus de moniteur Apple
dans la gamme aujourd'hui pour le moment. Quelques annonces autour du Thunderbolt 3 et des moniteurs également, Didier. Oui, et ça, c'est la grande surprise parce que le Thunderbolt 3, franchement, ça fait un an, il n'y a quasiment que LG, là, le partenaire d'Apple, qu'en fait. C'est puis on trouve, ouais, on trouve quand même 2-3 modèles hein, à gauche, à droite, mais c'était quand même excessivement rare. Et là, on a eu voilà, des annonces de ViewSonic en 27 pouces 4K, de Samsung là, avec son grand moniteur incurvé QLED. Il est assez étonnant, celui-là. Hein, il est très, très beau. Hein. Exactement. En fait, pourquoi ils font du Thunderbolt ? Mais c'est tout simple. Si tu as acheté un écran, par exemple, LG USB-C qu'Apple propose avec ses MacBook Pro, c'est que tu es ultra limité en connectique. C'est-à-dire que tu as de l'USB 2 si tu mets des écrans USB-C. T'as quasiment rien au niveau débit à côté, alors que le Thunderbolt lui permet quand même de brancher de l'USB 3, ouais. Ce qui est quand même le minimum pour faire sauvegardes, etc. Mm-hmm. Donc voilà pourquoi le Thunderbolt pourrait marcher et ce serait hyper cool parce que du coup sur Mac, on se retrouverait avec plein de choix, alors qu'aujourd'hui c'est quand même ultra limité. Je me tourne vers Stéphane qui a un MacBook avec un seul port USB-C. C'est une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir trouver des choses, faire ton marché dans les annonces qui ont été faites chez au CIS. En fait, j'en ai déjà acheté, comme tu le sais, j'en ai mis en coup. Tu n'arrêtes pas. En coup de cœur. S'il y en a des nouveaux et des plus performants, je serais ravi, bien évidemment. Là, on vient de m'en sortir un nouveau là qui vaut 65$ et qui vient de la marque Satechi. Satechi, ouais. Satechi, tu vois, voilà, que tu connaissais peut-être, ouais. Qui est plutôt intéressant, mais. À force de connecter, d'acheter sous ces appareils-là, je commence un petit peu à en avoir assez, parce que quand même, j'aurais attendu que ce soit Apple qui nous le fasse. Quoi. Ouais, en standard, ouais, Didier le soulignait. Grégoire, il y a eu des annonces, je dirais, plus majeures, mais pour le futur des PC et des Mac, autour des fabricants de puces, je crois. Intel et AMD ont fait quelques annonces, si je ne m'abuse. Ah oui, effectivement, il y avait pas mal d'annonces sur les processeurs et les puces d'ici au CES, notamment du côté d'Intel, qui a annoncé une nouvelle architecture beaucoup plus performante et qui pourra notamment fonctionner avec pas mal d'intelligence artificielle. C'est un peu le futur des processeurs qu'on voit arriver là maintenant. C'est les processeurs de demain qu'on aura avec toutes ces nouvelles fonctions, encore une fois, d'intelligence artificielle qui viendront dans toutes les machines et qu'on voit d'ailleurs de plus en plus ici à Las Vegas, hein, puisque tous les constructeurs nous parlent d'intelligence artificielle. Dans tous les produits, que ce soit dans les télés, dans l'électroménager, vous allez avoir par exemple un frigo intelligent qui va savoir à quel moment il faut faire des glaçons, que c'est plutôt le samedi à 18h parce que c'est à ce moment-là que vous prenez l'apéritif. L'intelligence artificielle, c'est vraiment l'une des grosses tendances avec les assistants vocaux de cette édition du CES. Ouais. Au-delà de cette projection à l'échelle de plusieurs années, voire plusieurs mois, on sera plutôt en années pour l'intelligence artificielle, Didier, il y a eu des annonces très, très concrètes d'Intel et AMD hein, qui ont officialisé leur Core 9 Vega, oui. C'est ça ? Oui, alors c'est drôle parce qu'ils avaient démenti, mais mois après mois, ce truc-là. Qu'est-ce et que en c'est, fait, cette architecture ? En quoi elle pourrait nous toucher, nous, utilisateurs de Mac, concrètement ? Bien, parce que en fait, les puces qu'intègre Intel pour la partie graphique sont pas très performantes, tu le sais. Voilà, quand tu achètes un MacBook Pro 13 pouces avec ça, tu es quand même un peu dégoûté, surtout à 3000 balles. Ouais. Donc, tu aimerais bien quelque chose de plus performant. Donc, l'idée d'Intel, c'est de dire, je vais aller me reposer un petit peu sur AMD et puis faire une grosse puce qui intègre tout ça et qui consomme pas trop de courant, donc qui pourrait être intégrée éventuellement dans des petits ordinateurs ou peut-être des portables, mais moi, j'y crois moyen. Mmh. Alors, là, ils ont annoncé 4 puces, mais c'est quand même des vieilles puces Kaby Lake. Donc, je verrais plutôt ça dans un Mac Mini, en fait. Ouais. Je me dirais que ça pourrait être bien pour le futur Mac Mini qu'Apple met à jour tous les 50 ans. Mais effectivement, j'espère pas dans les iMac, parce que moi, je préférais avoir des processeurs à 6 cœurs, des trucs là qui vont venir, qui vont être beaucoup plus cool et qui gardent la carte graphique dédiée. Alors que ça, c'est plus pour des choses un petit peu plus compactes et puis qui consomment un peu moins de courant, puisque ça consomme entre 60 et 100 watts, je crois. Ouais, combien il coûte l'iMac Pro qui est devant toi, rappelle-moi ? Nous ne parlerons pas de tarifs aujourd'hui. Quelques saladiers. Allez, l'heure est venue de parler du buzzomètre. Le buzzomètre, comme chaque semaine, les rumeurs ou les actus qui ont le plus buzzé sur Mac Forever, notamment, Didier. Oui, et on commence avec Jimmy, ce cher Jimmy Iovine, donc qui s'occupe toute la partie Apple Music. Et ouais, alors, Billboard a annoncé. C'est Billboard, ils ont quand même des sacrées sources en général, ouais. Mais bon. Je ne sais pas, apparemment, il a démenti le fait qu'il parte donc à l'été prochain, ce qu'avait annoncé Billboard. Alors, peut-être qu'il va partir un peu plus tard, mais pour l'instant, je ne sais pas. Mais effectivement, il a dit qu'il était là pour une mission. Est-ce que sa mission est accomplie ou pas ? Didier, on ne sait pas trop quel est son périmètre. Il n'a pas de rôle officiel chez Apple, c'est rigolo. Hein. Allez, seconde rumeur.
Alors, deuxième rumeur, c'est, enfin, c'est pas une rumeur, c'est plutôt une information, mais qui a pas mal buzzé, puisque c'est l'ouverture d'une enquête en France pour obsolescence programmée. Donc, bon, pour l'instant, c'est l'ouverture d'une enquête, hein. Ça veut pas dire qu'Apple va forcément se faire épingler, mais c'est dire si, quand même, cette histoire d'iPhone ralenti, c'est quand même quelque chose qui a de l'importance. Et bon, on est un des rares pays à avoir une loi sur l'obsolescence programmée, donc qui définit plutôt ce que c'est. Une bonne chose, d'ailleurs. Hein. C'est une bonne chose. Donc, ouais. Voilà, bah, au moins, je dirais que ça pourrait obliger un peu Apple à communiquer un peu plus et effectivement arriver au bout d'un système de com qui est un peu limite en ce moment. On voit en tout cas, et peut-être Stéphane en plateau ici, que cette histoire d'obsolescence programmée, hein, c'est un boulet qui risque encore de traîner pas mal de temps avec aux chevilles d'Apple. Hein. Non, mais ça va être une bataille d'experts, ça c'est certain. En tout cas, il y a des conséquences qui sont réelles. C'est que quand vous allez voir au Genius Bar sur un des Apple Store de Paris, il y a, d'habitude, quand vous donniez votre téléphone, en une heure, il était réparé. Là, il faut attendre une journée. Là, actuellement, il y a un petit boulet d'étranglement. Ouais. Ouais, là, je crois que là ils devront se mettre au niveau. Et même, j'ai cru comprendre qu'ils ont comme consigne de plus prendre, après le 31 janvier, les changements de batterie, jusqu'à à moins contre-ordre. Donc, c'est après le 31 janvier. L'opération serait terminée. Ce serait terminé, donc il faudra bien vérifier ça. Oui, on va demander à Apple, jours. Mais s'ils font ça, ils jouent encore une fois avec voilà. Le feu. Non, mais c'est la consigne qu'ont eu les Genius. D'accord, c'est ce qu'on t'a dit voilà. Lors d'un Apple Store. Bon, on va demander la confirmation à Apple. Autre actu ou rumeur, Didier ? Oui, Olivier, on va parler des bornes Wi-Fi d'Apple. Hein. Tu en as peut-être une chez toi, comme tout bon fan d'Apple. Oui. Et puis, ça fait quelques années qu'elles n'ont pas été mises à jour. Ouais. Alors, Apple n'a pas vraiment dit qu'ils allaient les arrêter, mais... Ils avaient laissé comprendre, il y a l'année dernière déjà. Hein. En fait, c'est des produits, ils ne s'en occupent pas, puis tu ne sais pas trop s'il va y avoir des nouvelles versions ou pas. Toujours est-il qu'en ce moment, ils se sont mis à commercialiser des modèles de Link 6, donc qui sont comme tous ceux de Google Wi-Fi, Netgear, qui sont des bornes en fait, de Wi-Fi Mesh, donc qui sont en fait des systèmes de Wi-Fi qui vont propager le signal et qui vont te permettre de mieux couvrir tes appartements, ta maison, etc. Et ça, c'est des choses qu'ils n'ont pas développées, eux. Donc, ils sont moins bons là-dessus. Et du coup, bah, c'est vrai que les produits là, qu'ils ont, je pense qu'à terme, ils vont les arrêter ou ils vont les changer. Mais en tout cas, quand Apple commence à te proposer des produits des concurrents, c'est que ça ne sent pas très bon. Quoi. Quatrième actu aux rumeurs. Oui, alors ça, c'est le HomePod qui pourrait arriver dans 4 à 6 semaines. Alors, c'est pareil, c'est vraiment qu'une rumeur. De toute façon, Apple l'a prévu pour le début de l'année, mais ils n'ont pas vraiment donné de date. Ouais. Moi, j'ai entendu dire plutôt autour de début février, tu vois, quelque chose comme ça. Et de toute façon, ça arrivera que dans les pays anglophones. Donc, nous, on peut attendre encore, je sais pas, une bonne année, je pense. Hein. Bon, il va falloir qu'on aille en Australie à nouveau pour tester le produit. Ben, je suis volontaire. Dernière rumeur, Didier. Alors, il y a des investisseurs d'Apple qui sont plaints récemment du fait que Apple protégeait pas assez les jeunes en fait sur les appareils iOS. Ouais. Et Apple est arrivé très très vite avec une réponse en disant qu'ils allaient améliorer le système de contrôle parental donc sur iOS. Moi, je pense aussi que effectivement aujourd'hui, tu vois les iPads là que tu laisses traîner à la maison, il y a pas de système de session, il y a pas grand chose en fait pour les enfants. Des années qu'on réclame dans cette émission. Et oui. Le premier, c'est Rodrigo. Hein. Exactement, donc bon, c'est vrai que c'est des trucs, tu te demandes comment ça se fait que ça n'est pas là depuis au moins 3-4 ans. Quoi. Merci pour ce buzzomètre, Didier. Un clin d'œil à nouveau à notre parrain Crucial qui vient de lancer un nouveau SSD, le Crucial MX500. Il se décline en 3 capacités, 250 Go, 1 et 2 Tera. Avancé de ce modèle, idéal pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et de PC Performance. Le disque SSD MX500 profite de la toute dernière technologie de mémoire flash, NAND 3D, qui affiche une vitesse de 560 Mégaoctets par seconde en lecture et 210 Mégaoctets par seconde en écriture. C'est également le premier SSD Crucial à avoir la garantie de 5 ans contre 3 ans auparavant. Son prix comptait 80€ pour le modèle 250Go. Merci encore une fois à Crucial de nous soutenir. Dernière partie importante concernant le CES, on ne pouvait pas en faire l'impasse, c'est la présence en force de la French Tech. La French Tech à l'honneur au CES 2018, encore une fois cette année, pas moins de 365 exposants. Hein. C'est la deuxième délégation représentée au CES. Alors, Grégoire, comment expliquer un tel engouement, une telle présence française à Las Vegas ? Oui, c'est ça, hein, 365 exposants, 320 startups ici à l'Eureka Park, qui est la partie dédiée aux startups du CES. Comment expliquer un tel engouement ? Bah, simplement parce que la France est maintenant de plus en plus forte dans certains domaines, notamment la santé et la maison connectée, où on a beaucoup de startups qui
qui sont très innovantes et qui travaillent très bien, aussi parce qu'on a quand même un vivier, il faut le rappeler, d'ingénieurs qui en France sont extrêmement bien formés. On a parmi les meilleures formations pour les ingénieurs, donc ça aide forcément à créer derrière des produits un peu sympas. Et puis aussi parce que la France 42, avec l'initiative, hein, aussi, accessoirement, exactement, qui contribue pas mal. Voilà, et puis bon, tout à fait. Et voilà, et la France, avec l'initiative French Tech, pousse aussi énormément les entreprises à venir ici au CES. Maintenant, il faut quand même faire un peu le tri, hein, on ne va pas se mentir, il y en a quelques-unes, il y en a même un peu plus que quelques-unes qui n'ont, à mes yeux, rien à faire ici et qui sont pas très... dont on a du mal en fait à comprendre la logique et l'intérêt de l'innovation. Voir la levée de fonds, on peut le dire. Voilà, c'est ça. Mais c'est aussi le jeu du CES, malheureusement, parfois. Alors, on y reviendra. On vous a fait un petit florilège de produits un peu particuliers, dirons-nous. Mais peut-être avant, une réaction de Stéphane en plateau. Que t'inspire cet engouement et ce patriotisme technologique à la française? Déjà, je pense que c'est la continuité de ce qui s'est passé ces dernières années déjà. Mais je prendrai les mots de Mounir Majoubi, notre secrétaire d'État, qui était au micro... À l'économie numérique. Voilà, et qui était un micro, je crois, de Raphaël Duchemin sur Europe 1, Grégoire. C'était l'interview qu'on a enregistrée hier, effectivement, à Las Vegas, en duplex, pour diffusion. Voilà. Enfin, on a diffusé ça cette semaine. Et donc, en gros, et c'est vrai que les questions de cet engouement a été posées, et c'est vrai que sa réponse peut paraître surprenante, parce que c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas à attendre. Donc sa réponse était, quand vous regardez la balance commerciale de la France, vous voyez bien qu'on a un très gros enjeu pour l'export et ça va passer par les start-up. C'est-à-dire qu'avant, on comptait sur Airbus et compagnie, et on peut toujours compter sur eux d'ailleurs. Les industriels classiques. Les classiques, voilà, ouais. Là, étant donné qu'on était peu dotés en énergie, etc., par rapport à d'autres, donc il fallait bien qu'on vende autre chose. Donc aujourd'hui, le poids des start-up va devenir de plus en plus grand. Et là, actuellement, c'est 22% là, le poids dans la balance commerciale. En Allemagne, par comparaison, c'est 15%. D'accord. Donc, on est très en avance par rapport aux pays européens. On est en avance. Donc, d'autres pays européens. En fait, c'est un joli défi que l'on se donne. Et si on met l'avenir, ou en tout cas le poids, parce que c'est important pour notre PIB d'avoir une balance commerciale forte, en tout cas pas trop déséquilibrée. Là, je crois que j'ai entendu qu'on était à moins 69 milliards. Donc, il y a encore du boulot pour revenir et pour équilibrer tout ça. Donc, ce n'est pas un mince défi. Et donner un peu le pouvoir et un peu la lumière aux startups, ça laisse présager que ces 5, 10, 15 prochaines années, nous donnons peut-être enfin les moyens de créer un mini Google français. Une licorne, comme on l'appelle aujourd'hui. On l'espérera en tout cas, et qui puisse générer de l'export. Juste, je peux dire, là, le président Macron revient de Chine, il y a quand même un accord de 300 millions d'euros qui a été signé avec les Chinois, avec Sigfox. Ouais. Et donc, c'est un début. C'est un contrat qui est évoqué en même temps que celui qui est avec Airbus. Ouais. Les 100, ou je ne sais pas combien de 100. En termes d'équivalent, d'accord. Là, et donc, c'est vraiment ça très donne intéressant. C'est quand même un ratio assez intéressant. Je trouve que c'est un très beau signe. C'est un très beau signe que la France soit présente au CES comme elle était ces dernières années. Mais c'est très important. Il ne faut pas trop le critiquer, même si bien, en effet, il doit avoir des... On va un peu les écarter. Non, il ne faut pas trop le critiquer, mais il faut rester lucide quand même. C'est-à-dire qu'on a effectivement énormément de startups qui sont là. C'est très bien et je suis le premier à être heureux de retrouver autant de startups françaises ici. Et c'est vrai que dans les allées et même dans les rues de Las Vegas, on entend énormément parler français. C'est vraiment flagrant. Maintenant, voilà, il y a quand même des choses qui, effectivement... pour le dire clairement, ne servent à rien, n'ont aucun intérêt et ne devraient pas être là. Ouais. On trouve Et d'ailleurs, Mounir Majoubi le disait bien, effectivement sur Europe 1, il disait quand on va au CES, il faut y aller avec une innovation mûre et qui répond à un vrai usage. Bah, exactement ça, c'est-à-dire voilà. Mais c'est vrai, non, mais bien sûr, mais dans la profusion, c'est vrai que s'il n'y a que 3 ou 4 qui n'ont rien à faire, ou 5 ou 10. Non, il y en a plus que 3 ou 4. Ah bon, bah, okay, sur les 320, il y en a plus que 3 ou 4. Non, il y a énormément d'objets un peu insolites. Hein. On trouve des objets qui sont jusqu'au caleçon anti-ondes, hein, ce n'est pas une blague. Didier, toi, de ton côté, depuis ta rédaction de Macfavor, tu n'as pas l'impression que le CES, ça se transforme un peu une sorte de concours Lépine, quelque part, hein, et un peu, mais un peu ridicule. Mais je pense que c'est des boîtes, en fait, qui même des fois ont besoin de résonance. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure, pour lever des fonds, pour avoir de la pub. Et même, ce qui est quand même assez drôle, c'est que moi, j'ai plein de boîtes françaises qui me contactent pour me demander si je vais au CES chaque année.
Alors je leur dis, mais on est à côté, enfin, on peut venir vous voir. Je suis en face de chez vous. On va pas aller payer des billets d'avion pour aller vous voir. Ouais. Effectivement, nous, on se demande presque quelle utilité on a à aller là-bas pour aller voir des boîtes françaises. Et tu regardes, tous les journalistes, ils vont à Las Vegas faire des duplex de boîtes françaises. Bon, c'est bien pour eux, hein, qu'ils se fassent de la pub, etc. Mais c'est vrai que, voilà, essayer de rayonner aussi en France, on peut être un marché d'impulsion aussi. C'est vrai que le CES est effectivement une superbe vitrine pour toutes les startups. Hein. Elles vont avoir une visibilité médiatique, que ce soit auprès des médias français, parce qu'effectivement, tous les médias généralistes français sont présents ici pendant le CES, et aussi bien auprès des médias internationaux. Vous allez avoir les médias spécialisés, The Verge, Engadget, Wired, TechCrunch, et tous les médias généralistes, américains et même internationaux. Vous aurez les médias anglo-saxons, les médias de Grande-Bretagne, Royaume-Uni, enfin voilà. Ouais. Vous allez avoir tous ces médias-là qui sont présents ici. CNN, Fox, on parle. C'est une vitrine exceptionnelle pour ces startups. Je crois qu'il faut plus s'en féliciter là-bas. Allez, on va quand même citer les improbables du salon, on l'a dit. Donc, il y a un boxeur anti-radiation du français Spartan Underwear, hein, qui a eu pas mal de succès. Apparemment, il décline le produit, Grégoire, pour les enfants, c'est ça, avec une grenouillère anti-radiation. Alors, je ne l'ai pas vu, mais effectivement, ça fait plusieurs années qu'on les voit ici au CES. Hein. Je dirais que ça fait bien 2-3 ans qu'ils sont là avec leur boxeur anti-ondes. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils déclinent effectivement avec un nouveau produit. Souvenez-vous des trucs anti-ondes qu'on collait derrière les vieux Ericsson il y a quelques années et qui ne servaient à rien. Également, un capteur d'UV de la roche posée, je trouvais ça rigolo. Ah oui, DuvSense, que l'on pose sur l'ongle pour déterminer son niveau d'exposition au soleil. Black Mirror. C'est énorme, oui, Black Mirror. Ouais. Tout simplement, vous allez c'est un adhésif, vous allez le mettre sur votre ongle, il va détecter effectivement votre exposition aux UV, et après il est connecté en NFC, vous pourrez retrouver toutes les informations sur une application sur votre smartphone pour vérifier que vous n'êtes pas trop exposé au soleil justement, et évidemment comme c'est la roche posée du groupe L'Oréal qui propose ça, il pourra vous conseiller les bons produits à mettre sur votre peau juste après. Non. Alors ça c'est intéressant cet exemple, on le voit énormément d'entreprises de l'économie entre guillemets classique s'intéresse à ces objets connectés, sponsorise objets connectés pour faire parler d'eux en fait. C'est un objet promotionnel, objet connecté, pas plus pour un marché. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part, on sponsorise une petite start-up, on met notre marque dessus, ça donne un côté innovation là dans le cas de L'Oréal par exemple. L'année dernière, ils avaient fait la brosse. Ouais, on n'en entend plus parler de la brosse. On n'entend plus parler de la brosse. Bah, surtout c'est chez moi, malheureusement. Oui, ça n'a pas marché pour toi. Mais... non, ça n'a pas marché. Alors, c'est des cas particuliers. Ils ont une stratégie L'Oréal qui est au long cours. On ne se transforme pas comme ça. Il ne faut pas critiquer la stratégie parce qu'il y a ces gadgets-là qui arrivent. Mais ça donne un côté innovant à l'entreprise quand même. Oui, mais bon, par exemple, Grégoire parlera par exemple du stand de la Poste qui est présent au CES, et il y a une véritable volonté d'être. Oui, là, il y a une véritable stratégie. Transformation numérique. Ah oui, parce que c'est nécessaire, parce que les usages changent. Ouais. Et je pense qu'on peut. Voilà, on ne peut pas spécialement comparer et se rester fixé à un gadget. Oui, c'est que la poste, effectivement, il y a un véritable besoin de se transformer. On arrive à une période, et ce n'est pas nouveau, où il y a de moins en moins de trafic de courrier en France. Donc forcément, il faut trouver d'autres moyens de gagner de l'argent pour la poste. Et ça va passer comme ce qu'il appelle un tiers de confiance. C'est-à-dire que comme les gens ont confiance en la poste, ils vont proposer des services. Basé sur ça, donc par exemple les services qu'ils proposent déjà, c'est le facteur qui va aller rendre visite à une personne âgée pour vérifier qu'elle va bien en faisant sa tournée. Donc voilà, c'est vraiment être un tiers de confiance au quotidien dans le numérique. Et tu as d'autant plus raison parce qu'ils ont énormément de succès avec leur solution de sauvegarde de documents officiels et personnels numérisés dans le cloud. Digipost qui a eu beaucoup de succès et effectivement la Poste a ce contrat de confiance là. Et dernier produit que j'ai trouvé sur Mac Forever, encore une fois, l'aspirateur, c'est pour toi Didier, un moustique proposé par le français Kista, qui arrive à leurrer les insectes en reproduisant l'odeur de la respiration humaine grâce à du CO2, ça ne s'invente pas. Attention à la production de CO2, c'est limité en ce moment. Elle est entièrement connectée, elle a même reçu 2 CES Innovation Awards, elle sera disponible en mars prochain pour 1 000 euros. En cette saison, c'est indispensable, Didier. Ça fait cher l'anti-moustique. Et alors moi j'ai lu que c'était bidon cette histoire de CO2. Tu vois, en plus, il faut vraiment être sûr de son coût à ce prix-là, en fait. Hein. Puis, écoute, on verra, on testera. Hein. On testera si tu es d'accord. Ces produits à tout faire, c'est marrant, hein, parce qu'il y en a beaucoup cette année, des ampoules qui font enceinte et tout. À la fin, tu te dis, ouais, quand même, un produit, une fonction, c'est pas mal aussi, des fois. C'est très bien que beaucoup de produits classiques sur Internet. Pour la plupart tous connectés, mais pour revenir de manière un peu plus sérieuse et pour conclure cette émission sur ce qu'on disait tout à l'heure avec
avec Grégoire et Stéphane sur l'émergence d'une licorne, on voit aussi que beaucoup d'entreprises qui étaient un petit peu les vitrines des objets connectés en France, on pense à WeThings aussi, ont fini par se vendre à des étrangers et on se demande si aujourd'hui, c'est très bien de lancer des startups, mais si elles finissent à l'étranger, est-ce qu'on a les moyens de les garder, ces startups, aujourd'hui ? Les garder, ça... Parce que pour qu'elles profitent, qu'elles restent en France. On sait très bien que le marché français en lui-même n'est pas suffisant pour pouvoir faire. Oui, ça n'empêche pas de rayonner. Sigfox est en train de démontrer, donc on pourrait éventuellement se dire qu'on peut garder notre bannière. On a des grandes entreprises, des grands groupes dans le luxe, souvent dans l'agroalimentaire également, et dans l'énergie, qui sont quand même plutôt bien. Maintenant... dans le déploiement, c'est sûr que leur développement, pardon, il est clair que c'est vers l'international. Et après, il y en aura peut-être un GAFA ou un BATX chez les Chinois qui diront tiens, c'est intéressant, on va encore l'accélérer. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire contre ça ? Pas grand-chose. Et ce sera peut-être bien pour tout le monde. Maintenant, on sait qu'il sera né en France et que cette société-là aura été initié ici. Donc voilà, mais après, moi, je suis pas très, patriote sur ce truc-là. Moi, je préfère que... quand on crée un service universel et exponentiel, c'est ça qui est important. Ouais. Grégoire, il y a beaucoup de startups qui étaient à Vegas aussi pour lever des fonds, aussi pour rencontrer des grandes marques de la tech ou des grands fonds, notamment aux États-Unis. Car là-bas, il y a aussi cette réserve d'argent. Et puis, les GAFA, elles sont extrêmement riches. Hein. On le voit chaque semaine avec les rachats de Google et Apple. Hein. C'est ce qu'on disait. Il y avait ce côté, effectivement, exposition médiatique. Et puis, il y a aussi tout le côté recherche de distributeurs quand on a un produit à vendre pour distribuer dans les grandes surfaces américaines, par exemple. Et puis, forcément, recherche d'investisseurs pour développer son produit. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il est beaucoup plus facile, mais il est plus facile de lever de l'argent quand on a une start-up. Et grand absent pour conclure, Didier, de ce CES, comme chaque année, parce qu'Apple officiellement n'est pas exposant, mais il est dans les travées, de manière un peu secrète, c'est Apple, bien sûr, Didier. Mais en fait, ils font plus du tout de salon. D'ailleurs, ils font même plus leur propre salon. Ah, c'est bien Macworld, c'est dit. Bah ouais, mais en fait, c'était bien pour même l'écosystème. Bien effectivement, sûr. On pouvait plus rencontrer un petit peu les sociétés. Et puis nous aussi, toi, tout le monde, là, maintenant, on bosse un peu plus de notre côté. Ouais. Donc effectivement, ça manque un peu. Mais heureusement, on fait le Mac pour qu'on se retrouve chaque semaine. De toute façon, c'est une tendance. Hein. Les salons en général, même les salons automobiles, là, on le voit avec le salon de Paris, les fréquentations baissent et tout. Ça coûte très cher aux constructeurs. Donc, les grandes marques, hein, elles sont pas aussi présentes que ça sur ces salons, en fait. Et puis, il y a les réseaux sociaux qui, peut-être, sont en train aussi de changer la donne. La manière de communiquer est différente. Les médias de tech sont... Voilà. Oui. Sont importants aussi et deviennent des catalyseurs et des salons permanents. Parce que on peut exposer son nouveau produit en... Dans Refait le Mac, venez les sponsors, venez nous voir, on a plein d'idées. Je pensais pas que t'allais réagir aussi vite, mais c'est bien. C'est bien, tu dis, bon... Il faut bien manger, bon cher ami. En tout cas, on y travaille. Allez, justement, on parlait de sponsors, un clin d'œil pour conclure notre émission à notre parrain Crucial. Merci à eux qui viennent lancer un nouveau SSD, le Crucial MX500. On vous le dit à longueur de semaine et d'année dans cette émission, pour plutôt que changer votre ordi, votre Mac, essayez simplement, si vous en avez la possibilité, de changer son disque dur. Hein, c'est un modèle un petit peu ancien et vous allez voir, ses performances seront dopées si vous mettez un SSD. Alors ce modèle, le MX500, se décline en trois capacités, 250 Go, 1 et 2 Tera. Avancez de ce modèle idéal pour remplacer, on l'a dit, le vieux disque dur de votre Mac et doper ses performances. Le disque SSD MX500 profite de la toute dernière technologie de mémoire flash NAND 3D qui affiche une vitesse de 560 mégaoctets par seconde en lecture et 210 mégaoctets par seconde en écriture. C'est également le premier SSD crucial à avoir la garantie de 5 ans contre 3 ans auparavant et compter 80 € pour le modèle 250 gigas. Allez, l'heure est venue de passer à notre rubrique préférée, en tout cas celle de Rodrigo, mais il n'est pas là aujourd'hui. Il s'agit bien sûr des coups de cœur. Les coups de cœur, et on commence par la Lausanne. Alors, moi, je vais te parler d'une petite caméra qui existe depuis un petit moment et qui a été rachetée là ces dernières semaines par Amazon et qui s'appelle Blink. Alors, tu vois, en plus, ils me les ont envoyés il y a pas très longtemps. Un peu plus haut. La caméra, voilà. Là, voilà, tu les vois. C'est français ? Mais j'ai fait une petite vidéo, donc tu pourras la mettre en incruste. Alors non, c'est pas français du tout. Ah bon. Mais c'est en fait des petites caméras qui sont miniatures. Alors je les ai pas là, c'est dommage, j'ai juste les boîtes qui sont toutes petites et que tu mets en fait un peu partout dans ta maison. Ça coûte une centaine d'euros et surtout il n'y a pas d'abonnement, c'est-à-dire que ça renvoie quand même des données dans le cloud, mais c'est pas payant.
Et je dirais que c'est assez efficace parce que c'est vraiment, vu du fait que c'est petit, tu peux vraiment la déplacer hyper facilement. Et puis tu la pilotes bah, depuis ton téléphone, hein, tu peux mettre des zones de sécurité. C'est sans fil. Bah alors, tu peux le brancher si tu n'as pas envie d'acheter des piles, mais les piles sont censées durer une année. Ah bah oui. Puisqu'en fait, c'est des caméras que tu ne mets pas tout le temps. En fait, tu les mets quand tu pars en vacances, quand tu n'es pas là en week-end, par exemple. D'accord. Et tu peux les mettre en route depuis ton téléphone à distance. Donc c'est surveiller à un moment donné. Voilà, après, si tu as des choses un petit peu perverses dans ta vie, ça ne me regarde pas. Mais... côté corse qui ressort, je suis désolé. Effectivement, tu peux les planquer partout. Ça s'appelle Blink. Et puis, donc, c'est disponible. Alors, tu as des trucs, des versions extérieures. Il y a des versions avec un petit pont qui sont vendues en kit. Ça vaut entre 100 et 150 euros à peu près. Merci, Didier. Grégoire, ton côté à Vegas, quel petit coup de cœur peut-être que tu as vu d'ailleurs là-bas ou que tu as utilisé pendant ton séjour à Vegas? Ben oui, oui, un coup de cœur effectivement vu ici au CES. C'est une start-up française qui a développé Velco. C'est un guidon de vélo connecté. Vous allez le mettre sur. Oui, mais alors non, vraiment utile. Vous allez le mettre sur votre. Vous allez le mettre sur votre vélo. Ouais. Il va faire plusieurs choses. Déjà, il y a des lumières devant, des LED que vous allez pouvoir activer pour être bien visible depuis votre téléphone. Vous avez aussi deux LED qui peuvent servir de clignotant. Et puis, alors, il va surtout vous guider ce guidon. Vous allez rentrer votre destination en fait dans l'application comme si vous utilisiez un GPS traditionnel. Et plutôt que de rester vissé à votre écran de téléphone, ce qui est dangereux quand on fait du vélo, vous allez avoir des petites LED qui vont vous indiquer de quel côté tourner et à quel moment. Comme ça, vous ne pourrez pas vous perdre et vous arriverez tranquillement à destination. C'est un guidon GPS intelligent, voilà qui est une bonne idée. C'est pas mal, effectivement. Merci, Grégoire. De ton côté, Stéphane, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine en coup de cœur? J'ai fait un contre-pied parce que bon, avec tous ces gadgets et ce CES, on est un peu trop... encore plus geek que d'habitude. Oui, c'est plaisir, c'est un peu Noël. Donc j'ai pris le contre-pied et préparé des coups de cœur qui ne sont pas spécialement tech. Ouais. Alors le premier, alors, c'est pour ceux qui aiment le PSG, il y a une appli, qui s'appelle Paris United. Ouais. Et il se trouve que c'est le premier média au monde qui a donné l'info un mois avant que Neymar allait venir au PSG, que Mbappé allait au PSG. Donc si on veut avoir toutes les infos sur le PSG... Les copains, c'est ça? J'aime pas des copains, c'est des gens que j'aime bien, parce qu'ils donnent des bonnes infos sur le PSG plus que les médias qu'on connaît. D'accord. Et ça, c'est... Non, mais sérieux, en plus, c'est tu sais qu'il y a des gens qui aiment... D'autres équipes. D'autres équipes, hein. Tant pis pour eux. Du côté de Marseille, du côté de... Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. D'accord. Voilà, vous connaissez son choix. Hein, mais voilà, bon, voilà. Non, mais je l'assume. Je l'assume. Non, mais plus sérieusement, donc, non, en fait, il y avait deux coups de cœur non geek. Sont un livre. Donc, c'est un livre qui a eu pas mal de succès parce qu'il a eu prix Renaudot. C'est La disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guez, qui est vraiment un très bon livre. Et je vous encourage, si vous avez... Allez, 2 heures ou 3 heures, il n'est pas très grand et tout, mais vraiment, vous allez être dans l'immersion à Buenos Aires, c'est vraiment très bien. Et une pièce de théâtre, qui est le livre de ma mère, qui est un des livres que j'ai le plus lu dans ma vie avec Belle du Seigneur, les deux d'Albert Cohen, avec Patrick Timsit au Théâtre de l'Atelier. Et moi qui l'ai lu, qui les connaissais bien, c'était une merveille. Donc voilà, c'est un contre-pied. Très bien, on va s'en inspirer, on va pouvoir embellir nos week-ends grâce à tes choix de lecture. De mon côté, on revient au CES, hein, je suis un décrotable geek de produits que j'ai vus en vidéo et en photo dans différents sites tech et par communiqué de presse interposé, parce que j'étais pas à Las Vegas, vous l'avez bien compris, on était à Paris. Des téléviseurs, hein, y a beaucoup de nouveautés de télévision chaque année au CES. Chaque année, on se dit, bon, cette année... Il n'y a plus d'innovation, ils vont se calmer. Eh bien, ils ont encore trouvé quelque chose, notamment, regardez ce étonnant téléviseur qui s'enroule, signé LG, un étonnant téléviseur de 65 pouces. Ça fait rêver, je ne sais pas si ce sera accessible en termes de prix, mais ça fait rêver. Et puis, un autre étonnant téléviseur grand format, alors il faut avoir un très, très grand appartement, il ne faut pas habiter à Paris, ça s'appelle The Wall, comme la célèbre émission de TF1. Oui, Samsung. Et c'est Samsung qui le fait, 146 pouces, 3,7 mètres. C'est un écran Lego hein, qui associe des petites dalles qui s'installent comme des briques plutôt qu'une immense dalle et un format. Ça permet de faire un format sur mesure et en fonction des besoins. On associe les différentes dalles, je trouve ça très malin. On verra aussi le prix et la disponibilité, mais voilà, ça bouge dans les écrans et on sait que c'est important. Et moi, c'est encore une fois, pour revenir à l'univers Apple, un immense regret de ne pas voir de téléviseur Apple. Je pense qu'Apple aurait une vraie valeur ajoutée à proposer sa télévision. Bouteille à la mer, encore une fois, ça fait des années qu'on l'attend. On sait qu'Apple a énormément travaillé sur ce sujet. On sait que Steve Jobs, c'était presque dans son testament de nous léguer ce téléviseur qui n'est jamais sorti du laboratoire d'Apple. On a des proches ici à Renfulema
qui l'ont presque allé toucher, cette télévision. Sortez-la, monsieur Apple. Voilà. Merci, messieurs, d'avoir participé à cet épisode de Refait le Mac. Rentrez bien à Paris et bon courage pour le décalage horaire, Grégoire. Merci. Bon week-end. Didier, tu reviens quand tu veux. Stéphane aussi. C'est la fin de ce 281e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une prochaine émission. On va certainement essayer de revenir sur l'affaire de la batterie Gate. On va voir. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité. Belle et heureuse année à tous encore une fois. Tous nos vœux de bonheur et de réussite. Pace et salut, comme on dit chez nous. Et à très bientôt. Au revoir.